Mes amis, Militation Massio m'a enragé. Yo manqué manger Met Jero alias Pan Megde pour l'argent Cabrit. L'argent Cabrit ça, c'est un cob. Premier ministre Ariel Henry te bay Met Jero pour te séparer de la ria pour te faire soupe pour militants yo. Pan Megde PM non, parce que PM non là, Met Jero Jean-Baptiste, c'est PM non qui t'a défendre. Oh, ou konne, c'est Abolocho. Yon lot bon, premier ministre Gary Conil li même, li fait tout moun sezi sou chen mas la. Map gade ki Jean PM nan à l'aise, la psy ki li à pied, sans qu'elle saute, ça prouve, la vie vle reprendre sou chen mas la. Depuis plusieurs jours, coup de balle tap pété chen mas la, moun pa kasi ki li, PM nan mette pi la terre, la psy ki li libre et libre. Dans dossier disparition artiste méchanceté, la police accompagnée à autorité américaine yo bay yon gros nouvelle dans dossier méchanceté. Regardez vidéo ça jusqu'à la fin, m'a ba nou plus détails avec précision sur ça nous attendez là. M'a demandé pour nous abonner, like, peser sous cloche notification. Retirez sous personnalisé, mettez sous tout pour les nagon vidéo pour pas rater. So j'aime toujours dire nous. Pas bon ici nous même dans production 69, nous va faire nouvelle, mais c'est nouvelle qui nous baille. Militation Massio, jodi a la, yo mande enragé. Nous connaît majorité dans militants qui sous chaîne Mass là, c'est militants SDP qui oyé. Oh, Met Jero Jean-Baptiste alias Pan Megde qui devait faire une confiance pour la presse. Jodi a la, tout bagarre qui t'a fait enragé, nèg SDP ont débarqué, yo crasé tout ça te gen dans espace là. Yo relé Met Jero dans téléphone pour dire y a tann ni pour ka bali un bois calé. Militant ont dit Met Jero, mais quoi maman, mais quoi papa, sou capable vinn faire confiance pour la presse ça pour moi. Hey! Met Jero Jean-Baptiste manger comme cabrit nèg yo, li pa bay comme cabrit là. Nèg yo dit même m'pa oublier l'argent ça. L'argent ça, il faut qu'on baille. Et c'est la dernière fois qu'on fait conférence de presse dans l'espace là. Quand on va connaître militant chaîne masse, on a regardé la vidéo ça, à vous en tourner. Fini, on a obtenu. Regardez, ouais, désormais, ouais, vous êtes vraiment là, Joanne, ouais, bon. Vous sous mon pile, ouais, gras. Regardez, là, je vous dévoile pour nous, 1er janvier, à soir, là. Mais ça pour vous être vers le Brésil devant Allemagne là. Je ne vais pas mentir là. Même si touche non, ou pas qui t'en fait. Ça pas mettre. Mes amis, hey, si Met Jero te vini là, vous avez acheté 32 dans la bouche Met Jero, vous avez mettre le Mazora. Ça va bien? Eh bien, ça passe là. Livre le dit, ça le dit. Militant SDP yo, yo campé pour ka goumé avec Paul Jero nèg pa mè del la. Pour le bay, l'argent kabrit la. On comme kabrit. Nèg yo saccagé ancien partisan André Michel là. Militant SDP yo débarqué dans conférence si là, c'est une conférence Met Jero Jean-Baptiste va le faire pour te parler. Par contre ça va le dire. Moi Met Jero, moi c'est dans escouade démocratique, on va comme ça. Kounya là, nèg et militant débarqué là, yo dit si pas un mec d'em t'es là. Yo dit on t'a craché 32 dans la bouche li. C'est non ça on fait qu'on est dans téléphone je vais regarder sur écran là d'après militant ça yo Paul Jero
prend 7 millions de goudes nommé Ariel Henry dans l'époque li pour te acheter cabrit pour 7 février. Ancien partisan par Mèd Demsayo lance yon opération chercher Mèd Jero alias par Mèd Del n'est pas côté rejoindre ni y a Bali Bwakali. Pito on a fait avec la police ou pas on a fait avec un militant. Le on a fait avec la police ou qu'a prend avocat. Oui, mais laissez avec militant on a fait. N'est pas côté recroise avant ou prend frappe. Et c'est soit prendre gros frappe. Bagala grave, bagala empiré pour mettre Jero Jean-Baptiste et alias et me connais c'est Paul Jero Jean-Baptiste ba comme ça relé hein et militant ça là yo dit n'importe côté quoi avec mes par Macdel y a Bali Bwakali. M'ta remé ça Bwakali a évolé qui évolé criminel kidnappé qui supposé prendre Bwakali. Qui ça Paul Jero Jean-Baptiste pour ne pas Bwakali? Hein? Qui te Bwakali pour bandi yo? Qui te Bwakali pour kidnapper yo? Paul Jero Jean-Baptiste, nous allons on boire pas quatre, nous passer misé de toi pour boire pas quatre. Dans derrière. Hein? Dans pied pour se prendre marcher des abolotio. Mais avec Bwakali en balade. Ça vrai, m'balade. Bwakali ali là pour bandi. Pas vie Bwakali a son nèg qui gen propre ligne politique parle qui fait propre choix pour défendre moun qu'il remet moun qu'il remet nous va empêcher ça. Bon, yon l'autre bord premier ministre Gary Conil le débarqué sur chama ça là côté Gary Conil fait pile moun saisi j'regarde sur écran là c'est PM nan qui accompagné avec la police PM nan là pour n'te ka di la marché libre et libre nan sur chama ça là c'est pour monter que sécurité à reprendre aux alentours de Masla toute la vie compte et me t'a dit la vie commence à reprendre la vie commence à reprendre dans garder PM là qui n'a mis tant négulation c'est ça chez Masla qui est premier ministre Gary Conil te fait yon flané sous chez Masla comme c'est jeudi lundi là qui c'est 9 septembre 2024 et puis renni dans quartier général FADH c'est la Lyonni avec notre commissaire de Port-au-Prince li dit visite là et ça en visite et notre commissaire à Port-au-Prince là pour te témoigner et puis font respect à et reconnaissance pour sacrifice vaillant policier a fait depuis dernier temps ça là saison pour laquelle il était débarqué dans commissaire de Port-au-Prince et ensuite il était débarqué dans quartier général la Médaïti. Si la vie compte retourner la vie voulait prendre non, aux alentours de Chenmas, là, parce que Chenmas, son zone, n'est qu'à dire côté moun brasse la rue. Il a tout petit machin, n'est qu'un petit bécano, petit moto, petit machine, yo. C'est là, il brasse la vie. Oui. Le congé artisanat, depuis plusieurs jours, là, coup de balle a pété Chenmas. Et parti par le non? Même dans des déos, qui sont Chenmas, là, ils ont obligé de renforcer la sécurité des déos. Oui. Kouna sou e PM nan pi la te chen mas. Se ki, la vi kon vle repren nan sou chen mas. Oui. Nan bat bravo pou polisye yo ki deside travay sakrifis ke yo fe pou retabli sekirite. Ti parti pa, nan sezi, nan repren kontrol tout espas gang yo te pran. Ti parti pa. Bat bravo pou polisye yo parce ke, menm ti di sa, bat bravo en courage chien japé mais étant donné pour ce pas chien en bat bravo en écrit des petites paroles relé dans émission yo qui te commenter en bas dans vidéo yo et puis tout pour les on policier pas dans espace commentaire pour ouais et il a félicité yo les ça il a bien plus engouement pour faire ça faire plus bien c'est saison plaquem qui espace commentaire était activé pour ca commenter pas oublier nous même nous c'est pro 69. Nous pas faire nouvelle, c'est nouvelle qui nous baille. Kouni a moi-même, conseil m'bal voye pour regarder yo. Nè ki responsable policier yo, au policier qui risque ville. Kap bat pou loué, n'importe jan sa ta e. Pour récupérer ce qui n'est quasi territoire perdu yo. Pour établir ce qui est dans pays ya, yo supposé gagner augmentation. Yo supposé gen bon jan moyen nan men yo prime de risque
faut gagner. Faut gagner centre de santé pour yo. Et faut loyer au payer. Yo policier qui baille tout les mêmes qui parle dans Biden, qui pas pour cochi soit à la gang. Qui te pays ya, prend bateau pour traverser nous notre pays. Pour ça cibler les jeunes encadrement. Parce qu'il décide pour bataille. Pendant pas aider notre pays, nous tout connaît. Dans le dossier de disparition artiste méchanceté, depuis plusieurs temps, je ne sais pas si vous toujours cherché méchanceté, mais méchanceté n'est pas une nouvelle. Plusieurs mois, nous n'avons pas une nouvelle méchanceté. Eh bien, autorité américaine a annoncé la police marée ou crabe, il y a un qui était. On dit principalement suspect qui t'a organisé voyage méchanceté. Autorité américaine yo tout ça regarde sur écran là, c'est lui même qui t'a organisé voyage artiste méchanceté qui la cause disparition méchanceté. Comme ou bien c'est autorité américaine yo qui arrêté tout ça regarde sur écran. Les relé Ali Emilien. Ali Emilien, c'est le principal suspect qui a organisé le voyage méchanceté. Vous êtes là, je fais plus de la loup, ça me dit nous, son scoop qui me baille. Oui, parce que nous voulons l'annoncer comme ça, sans plus de détails, et moi je me baille comme scoop, je fais plus de la loi pour me connaître qui est Ali ça y est même. Qui nationalité, qui type de mounouye, combien de fois, combien de temps gagné la planifier voyage. Jusqu'à ouais, c'est lui qui organise le voyage méchanceté, qui la cause méchanceté disparaît. Femme ou bien, famille méchanceté était au courant qu'il gagne pour parti, et papa méchanceté connaît c'est sous bateau la voyage. Il devait connaître tout, bateau a gagné 8 à 10 pounds sous lui, et il a fait tout ça qu'il connaît. Pour quitter le pays pour aller dans le pays États-Unis. Mais quand on a passé mal, nous perdons l'artiste là. Nous avons besoin de la nouvelle méchanceté. Comme il a été tout ça, la vague pour dire là, qui ça va aller, qui Jean et comment méchanceté fait disparaître. Et pas c'est méchanceté qui disparaît. Non, il y a plus de monde de bas qui disparaît tout. Mais étant donné, méchanceté c'est un artiste qui est bien connu. Nous parlons de méchanceté, mais il n'y a pas seulement méchanceté qui est dans le bateau. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour qu'on vite l'autre dossier. Pas oublier Chanel ça, c'est Production 509. Je demande pour like la vidéo, ça, commenter, partager et puis tout abonner, peser sous cloche notification pour les nouvelles vidéos. Pas rater. C'est même le même ça. Voler ça, on te dit. Ariel, c'est dit passé. Oui, d'accord. Et nous, tu as fait le monde de ça. Quel que soit que par mes deniers, nous lâchons, nous lâchons.
Nous ne sommes pas un mec de nous.
Nous prenons les limonades côté nous prenons le palais avec docteur Gédéon François qui lui-même prend le palais de situation faculté de médecine limonade qui est dans UEH là qui semble gagner des difficultés pour être capable de fonctionner comme ça droit. Donc nous prenons établi contact avec docteur François qui lui-même prend essayer expliquer nous qui sa situation est dans l'université, alors dans la faculté de médecine limonade. Nous avons essayé d'établir contact avec lui rapidement. Oui, ben nous essayer de faire contact avec docteur Gédéon François, nous sommes rappelés qui est dans la faculté de médecine limonade. Semblé communication pas passée. Hein? Communication pas passée avec docteur Gédéon François. On a essayé de rétablir contact avec lui hein, pour nous capables de parler de situation. Faculté de médecine les Yogan, ah pardon, c'est limonade de préférence qui lui-même t'apprend à l'expliquer une situation y a vive n'a parlé là de étudiants yo non faculté de médecine limonade là sans doute nous avons établi contact avec docteur Gédéon François en tout cas étudiant hein si me pas trompé bonjour oui bonjour bonjour monsieur Boyer-Jesson. Alors c'est Gédéon François, c'est étudiant ou oui, c'est un diplômé. Un diplômé, d'accord. Non, la faculté de médecine limonade. Expliquez-nous non, puisque moi recevoir plusieurs messages de étudiants yo qui yo même te demandé pour que capable faire intervention sur radio pour faire passer revendication yo. Expliquez-nous non, qui ça problème nous y est. D'abord, nous tiens à saluer M. Guerrier de Seul. Nous saluons également M. Johnny Ferdinand qui fait partie de l'émission SAM. Je connaissais là avec ma père. Très bien, très bien. Nous saluons les diplômés de la faculté de médecine de Limonade. Nous tiens à ce que nous saluons également les étudiants dans l'ensemble de la communauté universitaire limonadienne. Nous saluons également les auditeurs, les téléspectateurs et au même tout qui branchent sur là. Donc, ça fait nous plaisir pour nous rentrer matin dans l'émission dans le boulevard pour nous expliquer la situation qui a évolué dans le campus Limonade. Donc, qui sa situation est, M. Guerrier de Seul? Donc, la situation, c'est que depuis l'arrivée du campus Christophe de Limonade, soit en 2012, l'université a été ouverte sous les auspices de avec docteur Jean-Marie Théodate. Donc après ouverture de l'université, tu as parlé des crises qui commençaient. Crise, qui s'est appelée au juste. C'est parce que quand l'université de Limonade en 2012, par contre, tu vas recevoir très bien. En 2012, donc pas vraiment il y a des signatures. Bien que vous êtes décerné à UEA,
Mais nous voyons vraiment qu'il y a des signatures de l'UEA qui posaient scellés sous l'université. Donc, nous pouvons commencer par insister pour nous connaître exactement, vraiment, est-ce que l'UEA est seul sous le campus. Donc, qui t'a mal mené avec un pile crime, pourvu que pas de gens vont notre vraiment qui sortit, qui montre que l'UEA est là. Ce n'est que avec l'arrivée de à l'époque du recteur Henri Vernet, qui l'arrivée dans le campus là, soit vers les années 2013-2014. Donc là, nous avons commencé à sentir la présence de l'Université d'État d'Haïti à l'UEA. Donc, vu que là, ça peut être en lien toujours pour vu que pas de gain a été défini, tout était dans le flou. Pourvu que la question de cursus est continuée à faire rage, pas de cursus pour aucune faculté, parce que pas de faculté tout, il s'agit à l'époque de questions de filière qui étaient jusqu'à présent flou pour les étudiants. Donc, au début de toute crise, en 2014, transition 2014-2015, vu les crises, le recteur de l'Université d'État d'Haïti à l'époque, il prévoit une commission qui est en tête, Mme Janini. Avec l'arrivée de Mme Janini, la commission ça a gagné pour venir avec le conseil de gestion pour la première fois. Et c'est la chambre de M. Jean-Marie Théodat. Côté que le conseil ça a gagné en tête, M. Audalbert bien-aimé, accompagné de M. Érissé Guirand et M. Maxwell Bellefleur. Monsieur Lamontre. Allô? Monsieur Lamontre. Vous mettez pas de l'eau en adaptant de l'eau. Très bien. Alors, avec l'arrivée du conseil de gestion à l'époque, qui était un mandat automatiquement de 3 ans pour réaliser les élections à la fin de 2017-2018, là, non, en 2015. Donc, élection 2015-2017-2018 privée, élection par jamais faite. Et c'est dès lors qu'il est arrivé de M. Fritz Deshommes dans la tête universitaire comme recteur qui va reconduire le conseil ça en 2021. De 2021 jusqu'à date, il m'a sorti depuis en 2015, pas jamais une élection vraiment qui fait pour que le conseil ça qui est venu, c'est installé, est installé, il était en mission de 3 ans, pas jamais une élection qui fait jusqu'à date. Donc de 2015 à aujourd'hui, campus Limonade, le conseil qui est venu, avec la commission Mme Janini Tapmené, hein, pour qu'on ait une élection pour remplacer. Malgré l'insistance professeur, à plusieurs fois, il y a des moments de grève. Donc ça n'a pas marché. Eh bien, ça prend le problème, non, c'est que, au fur et à mesure, nous-mêmes qui sommes des étudiants à l'époque en médecine, il n'y a persisté pour nous connaître effectivement comment devenir Limonade Braille, comment ce qui ça Limonade a devenu, puisque en côté très timide. Conseil là, il n'est pas vraiment en mesure, vraiment, c'est ton conseil. Avec M. Audalbert bien-aimé, forme bien, où tu es plus ou moins un aspect, puisque lui-même, c'est mon nom, c'est mon cette Suzanne. C'est toujours bon approche côté que il voulait, côté accompagnement, pour permettre à ce que ça, les vignes en réalité, pour vu que tu es en pile tension, tension ou pas. Mais, dans la foulée, presque pas ouais, vraiment des actions tangibles qui t'ont posé pour permettre à ce que les facultés de Limonade et du campus, bon, puisque c'est dans un moment c'était filière, je t'ai parlé, ouais, vraiment travail qui t'a fait pour mettre à ce que chaque filière est autonome. Pas de doyen, parce qu'il y avait des directeurs de filière. Donc ce n'est que en 2021 là, soit en date du 16. Du 17 septembre 2021, il va venir avec la nomenclature de doyen. Donc, il va avoir naissance à 6 facultés dans le campus Limonade. Parmi eux, la faculté des sciences de la santé, que moi-même, moi, j'étais là-dedans. Le problème, non, c'est que là, nous arrivons, nous-mêmes, qui en médecine particulièrement, là, nous arrivons vers les années 2019-2020, première promotion faculté de médecine, là, pour aller finir. Entrer dans la résidence hospitalière, eh bien, pas gagné vraiment qui était défini. L'aime dit pas gagné qui était défini parce que l'aime de résidence hospitalière, c'est pas une possibilité pour jeunes diplômés qui finissent dans l'université de l'État ou bien dans l'autre université privée à le faire spécialité. Donc, l'année en 2020-2021,
pour nous appeler notre spécialité, pas gagner c'est défini parce que jusque-là, loi et décret qui étaient sortis pour résidence hospitalière qui concerne l'Université d'État d'Haïti, il était sorti seulement pour faculté de médecine par Port-au-Prince, qui, normalement, publié dans le moniteur, et il y a plusieurs décrets qui prennent à propos. Mais en 2014, après le gagnant, ministre Guillaume Florence Duperval, qui a fait une note sortie, qui octroyait près de 50% des places dans la résidence hospitalière, dans tout l'hôpital qui gagnait. Résidence hospitalière qui en dehors de HUEH, qui c'est l'hôpital général, et qui va le bail 100% place à l'hôpital, à l'université, faculté de médecine de Port-au-Prince, en dans l'hôpital général. Là, justement, pour qu'on gagne limonade. Allô? 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 Oui, autant de nous faire. Nous nous entendons très bien. Ok. Essayez de comprendre ça que vous avez dit, docteur Gédéon François. Est-ce que ça veut dire que nous-mêmes qui finis et études nous au niveau de campus Université Limonade là, nous n'avons pas de possibilité à faire stage dans l'hôpital ici puisque l'État n'a pas défini rien pour nous? C'est ça que vous avez expliqué là? Là, nous ne pouvons pas parler de stage parce que les stages hospitaliers. Soit vers les années 2000-2019, depuis les années 2016-2017, c'est un accord qui vend nous l'hôpital Justinien pour nous faire stage. Nous les stages préliminaires. Ok. Maintenant, c'est pour résidence là que nous avons un problème, Josian. Le problème, c'est la résidence hospitalière. Okay. Côté que, ensemble de places qui décernent pour résidence hospitalière, yo, en 2000, soit vers les années 2022, en octobre 2022, normalement, femme vous bien, question résidence hospitalière, là, c'est bureau troisième cycle qui est responsable, qui établit exactement dans la cour, faculté de médecine de Port-au-Prince. Bureau troisième cycle, c'est là, c'est lui-même qui est là pour réguler cette question de résidence hospitalière. En octobre 2022, l'heure que nous avons pour première fois rentrer dans la résidence, on va mettre notre déjeuner. Qui dit que l'hôpital Justinien qui est réservé pour nous faire stage là, il est pour nous à 100% pour nous faire résidence hospitalière également. Et là, il va valoir nous seulement 14 places sur les 100 diplômés qui ont sorti dans l'université Limonade là. Et ça qui est déjà révolté nous un peu. Allô, allô. 71 places décernées avec et FMP, et 14 seulement places pour les 100 diplômés de la faculté de médecine de Limonade, qui est là un peu absurde. Mais qui s'est fait avec l'autre étudiant Exactement, le problème, c'est que si nous sommes de l'UH, la faculté de médecine de Port-au-Prince, c'est UH, d'accord que vous êtes là avant. D'accord que ça vient de vieille date que la faculté de médecine de Port-au-Prince, là. Mais les limonades, si UH a d'accord que limonade, c'est pour lui, limonade, limite pied la terre limonade, mais pendant limonade, elle vient pour la finalité hospitalière, il faudrait que tu aies l'autre décret qui dit, pour l'instant, il faut redéfinir la chose. Il faut redéfinir la chose. Et ce qui n'a pas été fait, c'est lui-même qui parle à base de toute crise de SAIO, qu'on est là pourvu qu'il y a normalement une mauvaise répartition des places. Côté que faculté de médecine limonade la mettait chaque année environ 100 et diplômés de York, côté que seulement 14 places qui décernées à eux-mêmes, pendant que la faculté de médecine de Port-au-Prince presque gain même privilège que tu gagnes avant eux, donc qui vient paraître un peu, absurde quelque part, puisque nous sommes en deux UH, la faculté de médecine de Port-au-Prince c'est encore de l'UH, donc là, je pense que les autorités concernées, ont appris Chita, pour définir cette question de résidence hospitalière et, si possible, refaire sur l'autre décret qui dit mais comment la résidence hospitalière va le faire, pourvu qu'actuellement, il y a deux facultés de médecine à l'intérieur de l'UH. Ok, docteur Gédéon François, et bonne petite précision ça. Est-ce que résidence hospitalière, là, pour un étudiant et finissant en médecine, fait
est-ce que c'est obligatoirement dans l'hôpital et l'État que le doit faire? Automatiquement, pour question résidence hospitalière, là, pour faire résidence hospitalière, après fin de paix, médecine, il faut que l'hôpital là soit l'hôpital universitaire. Ce que nous avons trop dans le pays d'Haïti. Ce que nous avons trop, nous avons l'hôpital général, nous avons l'hôpital justicier, nous avons l'hôpital la paix, nous avons l'hôpital et maternité et Esaïe Gentil. Il y a un balai qui Non, on note que troisième cycle fait sortir qui fait partie d'un concours à part, qui va rentrer directement dans le risque dans le sens général. Ça fois que le balai est toujours fait à part, il fait avant tout généralement. Donc là, pour problème, non, là, c'est que si nous prenons par exemple pour le Nord, comme on a parlé de campus universitaire à Limonade, là, seul l'hôpital universitaire qui gagne, c'est Justinien, c'est ça? C'est seul l'hôpital universitaire qui gagne dans la région, hein, c'est Justinien. Mm-hmm. Et là, qui ça le pose comme problème? Ça veut dire que quand c'est étudiant qui gagne, qui besoin de faire résidence hospitalière, l'hôpital n'a pas de capacité pour l'héberger tout. Normalement, l'hôpital n'a pas de capacité pour l'héberger tout, mais dans le temps, c'est-à-dire avant l'arrivée du campus de Limonade sur la faculté de médecine, l'hôpital n'a pas de plus que 25 à 30 résidents. Ce qui paraît pour nous-mêmes un petit peu, comme on dit ça, discriminatoire, parce que quand la faculté de médecine de Limonade arrive à un niveau que nous allons rentrer dans la résidence hospitalière, nous venons de comprendre que bon bataille qu'a mené. Monsieur Guerrier, je vais vous dire ça très bien, bataille qu'a mené, son bataille qui est nationale et qui est régionale en même temps, pour vu qu'actuellement, il y a un gros problème qu'on connaît dans la région, c'est que les médecins de la région, particulièrement pour nous diriger l'hôpital Justinien, c'est un coup de résidence hospitalière. À chaque fois, il y a une résidence sortie qui fait une fausse hospitalité pour eux-mêmes les embarrasser un peu. Parce que eux-mêmes, c'est des spécialistes qui sont dans la région, en clinique qui sont dans la région. C'est un coup de sentir que bon bataille qui a mené dans la région également. Ça vient de dire que, au lieu que vous créez des conditions pour résidence là, bien faites, côté que vous avez un pouvoir d'accueil qui augmente, vous plus à boumer chaque jour pour vous diminuer, pour vous restreindre la capacité. C'est un coup de bataille, moi, estime, qui est régional. Sur le plan national, bataille là, c'est qui ça lié également. Bataille, c'est que sur le plan national, il y a non seulement la faculté de médecine de Port-au-Prince qui, lui-même, était de tout privilège avant, il y a aussi la faculté de médecine privée qui, chaque jour, après, comme on est capable d'augmenter la capacité pour étudier en effet résidence hospitalière, ça veut dire que nous avons bataille là. Et moi, je demande que bataille ça, hein, son bataille, on bataille que l'État lui-même lui doit résoudre, pourvu que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne pouvons pas résoudre le problème de son bataille. L'État doit rentrer pour dire exactement mais comment ça doit faire. Dans le temps, c'est comme ça. Avec la faculté de médecine de Limonade, il faut repenser les choses, il faut redéfinir la situation. Mm-hmm. Maintenant, combien de temps est résidence hospitalière là, lui-même, et les durées? Résidence hospitalière dépend normalement de qui spécialité on fait. Donc, par exemple, il y a un étudiant qui rentre dans la spécialité d'acouchement. Dans le temps de 4 ans, actuellement, avec normalement les nouvelles données que vous demandez normalement dans l'hôpital, les facultés de médecine en Haïti. Donc, résidence hospitalière en chirurgie, 25 ans. Par exemple, la maternité, vous avez 3 ans, actuellement, vous allez passer à 4 ans. C'est-à-dire, en ce sens que pour vous capable de valider les facultés de médecine en Haïti pour que vous ayez reconnaissance internationale, vous demandez que faut étudier à l'épidémie. Donc, la question de résidence hospitalière elle dépend de qui fait qui spécialité ou entre là-dedans. Pédiatre, il était 3 ans, il était 4 ans. Orthopédie, il était 4 ans actuellement, il va passer à 5 ans. Ça veut dire qu'il dépend de qui spécialité ou après. Ok. Maintenant, vous dites qu'il faut que l'État résout le problème. Non, c'est dans bâti plus l'hôpital universitaire pour que la capacité d'accueil et médecins qui sont dans la situation de résidence hospitalière ou même une chance et à l'exercer. Comment ça va faire dans ce moment-là? Il y a plusieurs façons qu'a fait M. Guerrier de Seul. Il y a un bagaille qui interpelle nous en tant que médecins dans le pays. Il y a une bataille qui menait avec révocation, disons, docteur Michel Pierre, que notre qui c'est 17 septembre 2021, côté qui a installé les premiers doyens du campus, qui était bail M. docteur Michel Pierre, doyen faculté de médecine et sciences de la santé. Donc, qui bataille il a mené? Pourvu que les senti un problème dans la question résidence hospitalière, là, côté placé un peu limité. Donc,
Li te mande ke fòk gen yon deuxième bureau, troisième cycle ki pral réguler question résidence hospitalière la ki tabli dans le nord. Li ta permet an ke gen quelques hôpital nan région nord ki gen capacité d'accueil ça, ki pa manke presque rien pou ta vin yon hôpital ou se yon hôpital universitaire. Tan pou lè nou pran l'hôpital Milo. Tan pou lè nou pran l'hôpital Ofatma nan département nord-ouest, sa yo te capable constituer des pistes de solutions. Mais vous connaissez automatiquement, monsieur, il y a un dossier ça, hein, qui t'a fait que tu as plus de pouvoir d'accueil pour surtout les étudiants, les diplômés de la faculté de médecine de Limonade, l'autre faculté de médecine privée, tu es capable de faire une place tout. Et mais c'est ça, oui, tu as pas le conduit à la révocation, monsieur, automatiquement. Ok. Merci. La notion de décentralisation, monsieur, pas d'accord pour la décentralisation, côté que tu as le deuxième bureau, troisième cycle. Deuxième bureau, troisième cycle, ça, tu as accès non seulement les diplômés de la faculté de médecine de Limonade, tu as un accès pour augmenter, et même faculté de médecine privée, même FMP également, tu as gagné place tout, tant qu'on a un nombre de places dans ma famille et au FATMA du département du Nord-Ouest. Nous avons gagné quelques places qui augmentent, non seulement place qu'on a partagé avec les diplômés de la faculté de médecine de Limonade, les facultés de médecine privée et également FMP, tu as gagné droit à la D'accord. Merci un peu, docteur François. Non, jusque là, donc, nous pensons que revendication, nous pensons que nous sommes capables de faire exactement qui sa revendication, mais juste avant d'aller. On allait. Rapidement, parce qu'elle est arrivée. Oui. Donc, revendication, c'est qui s'allier. Donc, je dis à la, face avec situation, à crise aiguë, ça, qui conduit actuellement l'université à fonctionnement paralysé. Et maintenant, là, faut de toute façon, on a fermé définitivement l'hôpital Justinien, parce que ça n'est pas capable de continuer comme ça. Donc, pour résoudre ça, mais qui ça nous demande? Nous demande un fort que l'hôpital Justinien, lui, retourne à la faculté de médecine du monde. On a 100%. Pour qui ça? Parce que nous avons 3 PT de Yon, 16 groupes là. Possibilité de faire la faculté de médecine du monde. En 2022, elle est perdue parce qu'on ne va pas aucune place actuellement. Donc, il faut que l'hôpital tourne pour nous à 100% et il faut que la place augmente. Et nous demandons au minimum pour gagner environ 50 places qui sont capables de recevoir normalement au moins la moitié des étudiants issus de la faculté de médecine de l'hôpital. Nous demandons, en deuxième lieu, il faut gagner normalement l'élection qui fait dans tête comme tout cela pour que. Conseil de gestion qui l'a remplacé parce que M. Sayo n'a pas montré de bonne foi pour gérer comme pour ça, pour faire travailler l'État baoupé. Troisièmement, il faut que le directeur médical, l'hôpital actuellement qui est le docteur Jory Dédia, qui n'a pas montré de bonne foi du tout pour nous-mêmes, pour lui-même, il faut que à tout coup, la retirer là, dans l'hôpital, là, par contre, peut-être. Pour un intérêt bien particulier, nous demandons M. Jory de dire quitter tête l'hôpital là pour que normalement, qu'on l'autre monde qui remplace le café travail l'État très bien. Et également, que la faculté de médecine de Limonade, il y a des spécialités qui pas gagner l'hôpital Justinien. Et nous, il y a des plaidoiries qui ont fait depuis des années pour que, par exemple, ophtalmologie a demandé résident depuis plusieurs années. Spécialité, ça n'a jamais ouvert l'hôpital. Là, nous demandons qu'il ouvre. Gagner normalement, médecine familiale, quitter l'hôpital là, pendant nombre d'années, donc 2 ans de cela, il a campé médecine familiale, pas gagné spécialiste en médecine familiale depuis deux années qui se passent là, ou qui entrent dans la spécialité, ça. Faut en quelque sorte qu'il ouvre. La résidence hospitalière en neurologie que Dr. Jory désire à diriger. Depuis l'année 2022, ça n'a pas de jambes bien compris encore. Il n'a pas choisi pour le résident. Il décide lui-même. Actuellement, le service urologie n'a pas de résident là-dedans même. Bon, pourtant, le principal n'a pas choisi. Nous demandons faut qu'il reconduise le résident en urologie qui est capable de prendre 2 à 3 résidents. D'accord. Et ça, il faut que le résident permette à ce que la population haïtienne permette à ce que le grand nord, le pays dans l'ensemble, parce que la faculté de Limonade. Il va regrouper des gens du Nord, il va regrouper des gens du pays, du Sud-Est et de tout le pays. Merci, docteur François. Nous espérons que le message l'a passé et l'arrivée dans les oreilles autour.